L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature. Mais c'est un roseau pensant. Il ne faut pas que l'univers entier s'arme pour l'écraser. Une vapeur, une goutte d'eau suffit pour le tuer. Mais quand l'univers l'écraserait, l'homme serait encore plus noble que ceux qui le tuent, puisqu'il sait qu'il meurt. Et l'avantage que l'univers a sur lui, l'univers n'en sait rien. Il y a 400 ans, venait au monde l'un des esprits qui a profondément nourri le terreau de notre savoir et alimenté notre manière même de penser. Ses mots et ses découvertes imprègnent la mémoire collective comme une partie de nous-mêmes. Et si, après 4 siècles, la présence de Blaise Pascal n'est pas soluble dans l'oubli ou l'usure du temps, c'est d'abord parce qu'elle est au cœur de notre vie intérieure. À nous autres, lecteurs. Alors, quelle est la citation que vous avez choisie ? Alors, cette citation, elle a un contexte. C'est une citation tirée d'un des grands fragments des pensées de Pascal. Et c'est un texte qui évoque une figure géométrique. C'est une sphère infinie dont le centre est partout, la circonférence nulle part. Et cette phrase, elle a un contexte. Elle se situe dans une mise en abîme rhétorique vertigineuse du monde et de l'homme, non pas au centre du monde, mais perdu dans l'infini. Aussitôt après cette formule que je viens de choisir, Pascal précise que la toute-puissance de Dieu permet seule d'éclairer cet infini dans lequel l'homme est perdu. La citation que j'ai choisie chez Pascal, c'est « L'art de persuader consiste autant en celui d'agréer qu'en celui de convaincre ». Et j'ai choisi cette citation parce qu'elle me parle particulièrement dans ce que je fais comme métier, c'est-à-dire que j'essaye de travailler ou d'aider les gens à travailler sur ce qu'ils ont à dire et sur le fait de persuader les autres, de convaincre, d'échanger, de prendre la parole. La plupart des gens, et moi comprise d'ailleurs, on suit plutôt ce qui nous plaît, ce qui nous fait envie, ce qui suscite notre imagination, que ce qui satisfait la raison. Ce que j'aime particulièrement, et là c'est quelque chose justement qui me touche au cœur quand je lis Pascal, c'est la justesse de la formulation, parce que c'est quelque chose d'évident pour nous. J'ai choisi cette citation de Pascal, qui a été abondamment citée au moment de la période du confinement, et qui est « J'ai découvert que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre ». Cette citation et cette réflexion de Pascal, moi je les ai redécouvertes probablement au début des années 2000. Je crois que Pascal met en lumière la peur de la mort, qui est à la fois une peur du néant et du vide au-delà de la mort, mais qui est peut-être aussi la peur du vide dans la nature humaine elle-même. Je crois qu'il pointe là quelque chose qui apparaît, je pense, plus dans la pensée contemporaine, qui est au fond cette indétermination de l'homme, le fait que l'homme n'est infini, non pas au sens de Pascal, mais non fini, et donc disponible à tout, mais nécessairement créateur de ce qu'il va être. La phrase de Pascal qui me l'a fait découvrir, est très simple, c'est une seule phrase, c'est « Le silence de ces espaces infinis m'effraie ». Et c'est une phrase que j'ai découverte très jeune, enfant je pense, dans la bouche de mon père, je ne sais plus en quelle occasion. Il a prononcé cette phrase et je me rappelle avoir été saisi. C'était la représentation de l'espace telle que énoncée par Pascal dans cette phrase, que j'ai jamais oubliée, que j'ai jamais apprise par cœur, qui est toujours restée en moi. Il y a le silence éternel, il y a l'espace infini, hein. Il y a un moi tout petit qui est juste M apostrophe, hein. Et toute la phrase s'achève sur ces deux syllabes m'effraie. Hein. Il n'y a pas besoin de dire autre chose, juste nommer ce qu'on ressent. Et c'était presque un soulagement enfant de découvrir, hein,
que d'autres pouvaient avoir ressenti cette même chose, cette même peur. On ignore souvent que ces écrits ne furent révélés à la face du monde qu'après la parution posthume d'un ouvrage qui est l'une des pierres angulaires de notre culture. Un ouvrage au destin aussi singulier que celui de son auteur, qui a pour titre « Les pensées ». Ce que nous savons de la genèse des pensées de Pascal, nous le savons surtout par la vie de Blaise Pascal qui a été écrite par sa sœur Gilberte. Gilberte a raconté comment c'est à partir de 1656 et d'un événement très marquant pour Pascal, une guérison miraculeuse de la filleule de Pascal, ce qu'on appelle le miracle de la Sainte Épine, qui a donné lieu à la conception originelle des pensées. Pascal aurait commencé à partir de 1656 à entreprendre une apologie de la religion chrétienne. Je le dis au conditionnel parce que Pascal lui-même n'a jamais employé ce terme d'apologie, nous ne le trouvons jamais sous sa plume, mais de fait, il s'agit quand même bien d'un projet apologétique. Les premières pensées sont celles donc, qui portent sur les miracles, et à partir d'une réflexion sur les miracles, Pascal a ensuite élargi son objet à la question des prophéties, et donc c'est comme cela sans doute que par élargissement successif, les pensées se sont développées. On peut dire que les pensées sont les papiers d'un mort dans la mesure où on ne sait effectivement pas ce que Pascal véritablement voulait faire, quel ordre il aurait donné, ce qu'il aurait retenu, ce qu'il aurait écarté du projet définitif. Mais quand on regarde le recueil autographe des pensées, ce qui est frappant, c'est toutes les reprises, tous les ajouts, tous les repentirs. Et c'est donc un manuscrit extrêmement vivant, d'une certaine manière. Vivant. C'est le mot qui convient lorsque s'adresse à chacun d'entre nous, l'esprit même de Pascal. Dans ses notes sur la religion, comme sur les questions fondamentales de notre existence. Sauf exception, citer Blaise Pascal, c'est citer les pensées. Leur long et fastidieux classement dut prendre en compte celui de leur auteur à travers des notes retrouvées après sa mort. Ce volume, conservé dans une reliure de parchemin teint en vert qui a été réalisé au milieu du XVIIIe siècle, c'est le volume qui conserve le recueil autographe des pensées de Pascal. Il est constitué de grands feuillets sur lesquels l'un des neveux de Pascal, Louis Perrier, a entrepris à la fin du XVIIe siècle et au tout début du XVIIIe siècle de coller les différents fragments découpés des pensées de Pascal. On voit bien sur ce feuillet-ci, par exemple, les différents papiers découpés par Pascal, mais collé par son neveu, dans le but d'en assurer une conservation définitive. Voilà, ce sont parfois de simples bandes étroites. Et puis, en plus des documents, enfin des papiers autographes, il y a de temps à autre des papiers qui ne sont pas de l'écriture de Pascal, comme par exemple ce petit papillon sur lequel est écrit figure. Ça n'est pas de l'écriture de Pascal. D'ailleurs, ça se lit très bien, alors qu'on peut voir que l'écriture de Pascal est quant à elle d'un déchiffrement très difficile. C'est une écriture qui est très vive, qui suit la vivacité même de la pensée de Pascal. Donc un exemple d'un fragment qui nous montre Pascal au travail, écrivant très cursivement, très rapidement ses pensées et en même temps luttant avec lui-même pour trouver la meilleure formulation. Donc on voit ici cette lutte telle qu'elle se manifeste par des reprises constantes. Il y a des ratures, des passages qui sont rayés, des ajouts qui se font entre les lignes, des ajouts aussi qui se font et des reprises qui se font en marge du texte, avec même des signes qui permettent, on a ici par exemple ce petit triangle qui permet de renvoyer à tel autre passage indiquant que la suite se trouve indiquée par ce signe de renvoi. Donc là, c'est vraiment les pensées de Pascal comme travail même de la pensée et de l'expression.
également, c'est, si l'on prend par exemple au début du recueil, le fragment Infini Rien, donc le fragment très célèbre du pari de Pascal, on voit comment Pascal travaillait en divisant à l'intérieur d'une grande feuille ces différents fragments par des traits de séparation. Donc il y a deux formes de séparation. Il y a à la fois les traits de séparation à l'intérieur d'une grande feuille et puis la séparation plus radicale qui est celle du découpage d'une bande de papier à l'intérieur de la feuille. Voilà, donc ici on a toute une série de traits de séparation. On a ici l'exemple d'un grand feuillet sur lequel Pascal a développé tout un fragment très long. C'est celui qu'on désigne souvent sous le terme des deux infinis. Pascal, lui, l'a intitulé « Disproportion de l'homme ». C'est là que Pascal pose cette célèbre question « Qu'est-ce que l'homme dans l'infini ?» Et en marge de ce feuillet, on peut voir ici très nettement un trou, l'un de ces trous laissé par le passage du fil par lequel Pascal réunissait différents fragments en une même liasse. Avec les liasses des pensées, une autre découverte attend les proches de Blaise Pascal, juste après sa mort. On retrouve, dans la doublure de son pourpoint, son écrit sans doute le plus personnel, le mémorial de sa conversion. Un acte de foi absolu, qui révèle, sous la forme d'une prière, sa relation à Dieu. Le 23 novembre 1654, Pascal connaît un moment extraordinaire dont il note le souvenir sur un parchemin qu'il va garder cousu à l'intérieur de la doublure de ce vêtement et qui est ce mémorial. Alors, mémorial que l'on a pris parfois pour un texte mystique, mais qui est surtout, je crois, un texte ascétique, c'est-à-dire que pendant 2-3 heures, Pascal a le sentiment de la certitude du salut, a le sentiment de la proximité avec Dieu. L'expérience que Pascal vit se fige dans un texte étrange, qui commence par des majuscules, un mot de 3 lettres, « feu ». Alors ce feu, bien sûr, pour lui, c'est Dieu, c'est le feu du buisson ardent. Et il note très exactement la date, la fête, et il note très exactement d'une façon qui a été étudiée avec des traits qui séparent. C'est un vrai calligramme que ce texte qu'il a tenu à garder. Il a tenu à le garder sur lui, cousu dans sa doublure, mais c'était une pratique assez fréquente de garder un texte propre qui rappelait un souvenir. Et il est clair que cette nuit de 23 novembre 1654 a marqué profondément la vie, la spiritualité de Blaise Pascal. De même que les pensées et son mémorial nous furent révélés après sa mort, l'image de Pascal et sa physionomie ne nous sont connues que depuis son entrée dans l'éternité. En nous apparaissant toujours à partir d'une seule et même référence. En quittant ce monde, Blaise Pascal y a laissé son empreinte, à tout jamais. Nous conservons un nombre relativement important de représentations du visage de Pascal, mais l'une des caractéristiques de toutes ces représentations, c'est qu'elles dérivent en réalité d'une image post-mortem. Toutes ont été faites à partir du masque mortuaire de Pascal. Et c'est, je crois, quelque chose qui nous invite à réfléchir, qui est très marquant, d'abord parce que c'est dans les pensées que Pascal dit que figure porte absence et présence, et la figure de Pascal qui nous donne donc une forme de présence est en réalité prise sur un corps mort, et puis c'est une réalité iconographique qui nous invite aussi à réfléchir parce que cette idée que tout part d'une empreinte post-mortem se retrouve aussi dans le destin même des pensées de Pascal, et ce travail complexe de reconstitution, d'une certaine manière, fait écho à la reconstitution du visage même de Pascal. L'édition des pensées de Pascal, le livre des pensées, c'est au fond l'empreinte que nous avons prise d'un corps qui a disparu.
que l'homme contemple donc la nature entière dans sa haute et pleine majesté, qu'il éloigne sa vue des objets bas qui l'environnent, que la terre lui paraisse comme un point au prix du vaste tour que cet astre décrit et qui n'est qu'une pointe infime à l'égard des autres astres qui roulent dans le firmament, mais qu'il recherche aussi dans les choses les plus délicates, qu'un ciron lui offre dans la petitesse de son corps des particules incomparablement plus petites, des jambes avec des jointures, des veines dans ses jambes et du sang dans ses veines. En divisant encore ces choses, il pensera que c'est là l'extrême petitesse de la nature. Je veux lui faire voir là-dedans un abîme nouveau. Car enfin, qu'est-ce que l'homme dans la nature? Un néant à l'égard de l'infini, un tout à l'égard du néant, un milieu entre rien et tout, incapable de voir le néant d'où il est tiré et l'infini où il est englouti. Ce que nous dit ce texte, c'est que l'homme se situe à une échelle, il a une échelle, une proportion, une toise, une mesure, on pourrait dire, entre ces deux infinis. Son drame, finalement, à l'homme, c'est d'être suspendu entre ces deux infinis dont il est infiniment éloigné et qu'il est infiniment éloigné de comprendre. Pascal va vraiment, au bout de sa pensée, il imagine que dans l'infiniment petit, il y a une infinité de mondes, et ces mondes, il les imagine, bien sûr, je pense que c'est une imagination poétique ici, mais il les imagine semblables aux nôtres. Il essaye de nous faire imaginer, descendre en nous-mêmes jusqu'aux plus petites échelles, jusqu'aux échelles des plus petits animaux observables, le fameux ciron, mais de ne pas nous arrêter là, de continuer jusqu'à l'infini, mais cette fois l'infiniment petit. Et Pascal comprend, ce qui est très intéressant ici, que cet infiniment petit, il est peut-être encore plus éloigné de nous que l'infiniment grand. Et cette idée abstraite, vraiment purement mathématique, il l'applique en quelque sorte au monde physique et au monde moral et au monde spirituel, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il insiste sur le fait que nous sommes infiniment éloignés de comprendre ces deux extrêmes qui sont pour lui d'une nature divine, nécessairement. Face aux immenses étendues du Puy de Dôme, la région de son enfance, on imagine le regard du jeune Blaise Pascal qui se perd dans ces paysages sans fin. Une vision qui, très tôt, a pu susciter aussi les élévations de son esprit. C'est ici même que, bien plus tard, Pascal concrétise son expérience sur la pression atmosphérique. L'expérience du Puy de Dôme que Blaise Pascal mande à son beau-frère Florin Perrier consiste à effectuer l'expérience de Torricelli, donc du tube de mercure, à différentes altitudes, pour vérifier que la hauteur du mercure à l'intérieur du tube est bien due aux variations de la pression atmosphérique. Plus on se situe à une altitude basse, par exemple à la ville de Clermont-Ferrand, plus la pression atmosphérique va être importante, puisque nous sommes à une altitude basse située en dessous d'une colonne d'air de hauteur plus importante. Et de ce fait, plus le mercure va monter à l'intérieur du tube. A l'inverse, en haut du Puy de Dôme, puisque c'est sur le Puy de Dôme que cette expérience s'est déroulée, la pression atmosphérique est moindre, la hauteur de la colonne d'air située au-dessus de nous est moins importante, et de ce fait, la pression effectuée par l'air sur le mercure va être moins importante et le mercure va descendre dans le tube. Et si on voulait pousser cette expérience jusqu'au vide total, à l'absence de toute pression, eh bien évidemment le mercure tomberait au niveau le plus bas. Les implications de l'expérience de la pression atmosphérique sont très importantes puisqu'elles démontrent que, contrairement à ce que soutient l'école aristotélicienne, la nature n'a pas horreur du vide et en fait elle peut créer ce vide de façon très spontanée dans certaines circonstances. Il faut savoir qu'au XVIe siècle ou avant le XVe siècle, toute la physique dont on dispose est la physique de l'école d'Aristote et l'Église a cherché en fait à s'accorder avec cette école, c'est-à-dire à trouver par exemple dans ce principe de l'horreur du vide, qui est un principe important, une résonance spirituelle, religieuse, divine. C'est-à-dire que, en quelque sorte,
le vide est impossible parce que c'est un espace sans être, et qui dit sans être dit sans Dieu. Et l'existence du vide n'est pas quelque chose qui va s'imposer à tous, ça va au contraire être un sujet de débat extrêmement vif à l'époque de Pascal. Pour Pascal, la réalité de l'existence du vide n'a rien d'incompatible avec celle de Dieu. Le savant et l'homme de foi se rejoignent dans une même quête de vérité. Mon frère naquit à Clermont le 19 juin de l'année 1623. Dès qu'il fut en âge de parler, il donna des marques d'un esprit extraordinaire par ses petites réparties et par des questions qu'il faisait sur la nature des choses et qui surprenaient tout le monde. Ce commencement qui donnait de belles espérances ne se démentit jamais. Ainsi débute la vie de Blaise Pascal, racontée par sa sœur Gilberte. Les Pascal vivent à Clermont-Ferrand. Dans la vieille ville, en s'efforçant de suivre leurs traces, on retrouve les images et les lieux qui furent pour Blaise familiers. Et sans doute aussi déterminants. Le père, Étienne, est comptable pour le roi. C'est aussi un mathématicien de renom. Leur mère, Antoinette, meurt alors que Blaise a 3 ans. L'enfant est très lié à sa famille, à ses sœurs, Gilberte, l'aînée, et plus particulièrement la cadette, Jacqueline, d'une grande sensibilité. Elle sera poétesse, puis religieuse. Blaise est très éprouvé par un état maladif récurrent, des troubles digestifs et neurosensoriels, qui seront suivis par des convulsions, des paralysies. Sa santé sera défaillante toute sa vie. Pascal, c'est un enfant sans mère, éduqué par son père, qui lui donne une éducation qui veut résolument humaniste, donc avec une connaissance des langues anciennes. Mais Pascal, très jeune déjà, échappe à l'éducation qu'on lui donne parce que, pour le dire avec des termes qui seraient ceux qu'on utilise de nos jours, c'est un enfant précoce. Le mot est trop galvaudé, mais pour Pascal, il faut absolument l'utiliser. C'est un génie. Et ça effraie son père, d'ailleurs. C'est l'effrayant génie de Pascal qui commence par effrayer son père. À 12 ans, son père le surprend à avoir la capacité de démontrer les propositions de géométrie d'Euclide. Alors, les propositions de géométrie d'Euclide, il démontre les 32 premières, hein, pas une ou deux par accident. Ce sont les démonstrations de la géométrie euclidienne. Elle va servir de paradigme scientifique jusqu'au 19e, plutôt début du 20e siècle. Donc c'est vous dire qu'à 12 ans, le père de Pascal, qui surprend Pascal en train de les démontrer, oui, et il sent qu'en fait son enfant lui échappe. Ce personnage singulier a été très tôt élevé par son père. Et c'est une sorte d'autodidacte, au sens où c'est son père qui lui a enseigné le latin, le grec, les mathématiques. Il n'est jamais allé dans les collèges de l'époque. Et ça fait une singularité de ce génie très proche des intérêts des mathématiques, qui, très jeune, à l'âge de 14-15 ans, fréquentait les cercles scientifiques de son père. À 16 ans, Pascal écrit un traité de géométrie aussi, géométrie sur les coniques, en réponse à un géomètre, un savant connu de cette époque, des arts, qui lui est adulte. Et Pascal invente, on peut encore parler de sa jeunesse, et à 19 ans, la première machine à calculer de l'histoire. Alors il l'invente pour aider très concrètement son père dans son travail, hein, qui va être un peu l'équivalent de l'inspecteur des impôts. Et il fait aussi un fascicule de publicité pour mettre en valeur cette machine à calculer. Pascal concevra très jeune, et il conservera dans sa philosophie, dans les pensées, l'idée qu'il y a une part des opérations de l'esprit qui sont mécaniques. On dirait presque de nos jours robotique. Pascal le dit dans les pensées, nous sommes autant automates qu'esprits.
Donc il y a des tas d'opérations de notre esprit qu'une machine, on voit à quel point elle est visionnaire, hein, qu'une machine peut prendre en charge. Il n'a pas seulement eu l'idée, qui pourtant était une idée difficile, l'idée qu'un mécanisme peut simuler les démarches de la pensée humaine, eh bien, ça c'est le principe de la machine arithmétique. Alors Pascal ne se contente pas d'avoir cette idée brillante. Il se met au travail, il conçoit les mécanismes, non seulement les mécanismes pour faire fonctionner une machine qui calcule, qui fait des additions, des soustractions, et si on est un peu débrouillard, des multiplications, des divisions et même des racines carrées. Et là où cela devient véritablement remarquable, c'est que lui, Pascal, il pense que l'homme est composé d'une certaine façon. On s'assied dans une chaise, on essaye d'y être à l'aise. Eh bien, c'est une nécessité d'agrément. On ne fait une bonne voiture que quand elle est agréable à conduire. Eh bien, la machine à calculer, c'est la même chose. Au sein des milieux scientifiques, le jeune Blaise Pascal se fait peu à peu un nom, dans l'ombre de son père, Étienne. Depuis 1631, la famille Pascal est établie à Paris, la capitale, où il vécut aussi à l'âge adulte, porte la trace de son histoire et de son savoir. En 1646, alors que Blaise est âgé de 23 ans, Étienne Pascal fait une mauvaise chute et se démet la jambe. Il est soigné par les frères Deschamps, médecins, et converti à un catholicisme très inspiré de saint Augustin, celui de la communauté de Port-Royal. Elle est établie à Port-Royal des Champs, en vallée de Chevreuse. Cette rencontre sera décisive pour Blaise et sa famille dans leur conversion à la spiritualité rigoureuse de Port-Royal, qui a une vision plus restrictive de la grâce divine. Blaise séjournera plusieurs fois dans le cadre paisible et contemplatif de la maison originale de Port-Royal des Champs, qui fut le théâtre d'une intense vie religieuse, mais également intellectuelle et politique. Jacqueline, sa sœur cadette, deviendra abbesse dans leur monastère. Port-Royal est un monastère de femmes au XVIIe siècle, particulièrement réputé pour l'œuvre réformatrice de son abbesse, Angélique Arnaud. Donc Port-Royal rassemble une communauté très soudée, animée par une foi extrêmement fervente. Port-Royal apparaît aussi comme le flambeau de l'augustinisme, c'est-à-dire une défense de la théologie de saint Augustin, qui est la théologie millénaire de l'Église catholique, qui à cette date se voit critiqué, menacé, contesté par certaines thèses de la Compagnie de Jésus, et notamment d'un de leurs théologiens, Louis de Molina, à propos de la grâce. Le monastère de Port-Royal lui-même est associé à un groupe d'hommes qu'on appelle les messieurs ou les solitaires. Ces hommes sont soit des ecclésiastiques, soit des laïcs, qui ont décidé de vivre au fond presque comme les premiers chrétiens de l'Église, c'est-à-dire sans prononcer de vœux, mais avec des exigences qui sont presque celles de moines. Et ces messieurs écrivent, hein, ils traduisent les pères de l'Église, ils vont produire une des plus célèbres traductions de la Bible, ce qu'on appelle la Bible de Port-Royal. Ce groupe est donc un groupe nombreux, et la spécificité des solitaires ou des messieurs, qui sont souvent liés aux religieuses par des liens familiaux, c'est qu'ils peuvent aller et venir dans le monde. Donc ils peuvent faire rayonner les idées de saint Augustin dans la société choisie de la France du XVIIe siècle. Et il y a une parfaite symbiose entre les religieuses et les messieurs. La doctrine de Port-Royal et son influence considérable se heurtent aux préceptes des jésuites qui obéissent au pape, mais également au pouvoir du roi.
cet affrontement divise l'Église et le pays. Les adversaires des partisans de Port-Royal les nomment jansénistes, du nom de leur inspirateur, Cornelius Jansen. Blaise Pascal va prendre leur défense dans les Provinciales, une série de lettres fictives, drôles et acerbes, adressées aux jésuites, dont le succès sera retentissant. Pour se protéger d'un procès et de la prison, il signe sous le pseudonyme de Louis de Montalt. Pascal grave dans l'histoire sa plume d'écrivain, sous un autre nom que le sien. Et il s'affirme comme un homme de son temps, dans une époque singulière. Pascal est le contemporain, d'abord, d'une crise épistémologique majeure. Tous les savoirs hérités de l'Antiquité et du Moyen-Âge sont remis en cause au XVIIe siècle. C'est la crise copernicienne, mais c'est aussi la géographie du monde qui a été bouleversée avec la découverte de l'Amérique. Donc l'homme sait à ce moment-là qu'il n'est plus au centre de l'univers et au centre de la création. C'est un décentrement qui va nourrir toute sa réflexion, puisqu'il ne cesse de montrer l'inconfort de la situation humaine et la difficulté pour la créature de se placer entre l'infiniment grand, l'infiniment petit, et de se retrouver dans un espace et dans un cosmos dont la conception a été complètement bouleversée. Du point de vue intellectuel, il est très marqué par le développement de ce qu'on appelle le libertinage dans la société française du XVIIe siècle. Un libertin, c'est un libertinus en latin, à savoir un affranchi. Les libertins sont ceux qui veulent s'affranchir des manières de penser ou de vivre que leur impose la tradition ou le dogme. L'œuvre de Pascal est très largement une réponse au libertinage de ses contemporains. Par facilité, on distingue entre deux libertinages, un libertinage de mœurs, c'est-à-dire non-respect des grandes périodes de la vie chrétienne, une vie libre que peuvent mener un certain nombre d'individus. Et puis un libertinage auquel on a donné l'étiquette d'érudit, qui serait foncièrement une façon de s'affranchir de tous les dogmes auxquels la pensée, la réflexion pouvait être soumise. Alors les dogmes catholiques, bien sûr, mais aussi toutes les façons de penser imposées par la scolastique venue du Moyen-Âge. C'est donc plus particulièrement aux libertins et aux athées dont les idées se développent dans la société, que Pascal va s'adresser dans ses écrits, tout en évoluant au sein du monde intellectuel et artistique. Il est alors d'une grande fécondité et compte parmi les siens des auteurs tels que Racine, issu de Port-Royal, Molière ou La Fontaine, qui est à la fois libertin et moraliste. C'est l'époque dite du classicisme. L'art du mot juste. Le dramaturge Corneille est un ami de la famille Pascal et admire la poésie de Jacqueline. L'œil observateur de Pascal voit se développer chez ses contemporains un attrait compulsif pour une passion humaine, le divertissement, qui révèle aussi nos plus profondes contradictions. Rien n'est si insupportable à l'homme que d'être dans un plein repos, sans passion, sans affaires, sans divertissement. Il sent alors son néant, son abandon, son insuffisance, sa dépendance, son impuissance, son vide. Ainsi, par un étrange renversement de la nature de l'homme, il se trouve que l'ennui, qui est son mal le plus sensible, est en quelque sorte son plus grand bien, parce qu'il peut contribuer, plus que toute chose, à lui faire chercher sa véritable guérison, et que le divertissement, qu'il regarde comme son plus grand bien, est en effet son plus grand mal, parce qu'il l'éloigne plus que toute chose de chercher le remède à ses maux. Et l'un et l'autre sont une preuve admirable de sa misère et de sa corruption, et en même temps de sa grandeur, puisque l'homme ne s'ennuie de tout que parce qu'il a l'idée du bonheur qu'il a perdu. Il le cherche inutilement dans les choses extérieures, sans jamais pouvoir se contenter, parce qu'il n'est ni dans nous, ni dans les créatures, mais en Dieu seul.
Ce qu'il y a de plus universel chez Pascal, c'est qu'il nous débusque. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ouvrir de façon honnête, je crois, les pensées sans se reconnaître très clairement ici ou là, en particulier dans les liasses si célèbres du divertissement, de la vanité ou de la misère. Ce qui est très fort, je crois, chez Pascal, c'est que le fait de donner un portrait de l'homme qui soit réaliste et universel n'est pas chez lui une fin en soi. C'est-à-dire qu'il nous prend par là, il nous saisit, parce qu'en le lisant, nous nous reconnaissons bien. Et s'il nous saisit, s'il réussit, s'il parvient à nous prendre par la main, c'est pour nous mener ailleurs, nous mener plus haut, nous conduire à la résolution, justement, de notre misère, nous conduire au lieu qui nous permettra de sortir un instant de notre divertissement pour considérer des réalités plus hautes et plus éternelles. Pascal dit que tout le malheur de l'homme est de ne pouvoir rester enfermé seul dans une chambre, parce que sans aucune activité intellectuelle, sans aucune activité pratique, il serait contraint de penser à lui-même, à sa condition, et sa condition se définit par son caractère mortel, c'est-à-dire que l'homme doit mourir. Le divertissement est la réponse que l'homme invente pour vivre avec la pensée de la mort, ou plus exactement, en esquivant la pensée de la mort. Alors, il y a des divertissements qui correspondent à ce que nous nous mettons dans cette catégorie, qui peuvent être la chasse, qui peuvent être le spectacle, des plaisirs mondains, qui sont évidemment importants au XVIIe siècle. Ça peut être le jeu, par exemple. Mais le divertissement, c'est aussi le commerce, la recherche scientifique, toutes les activités humaines dans lesquelles nous mettons de la passion, de l'ardeur, et qui nous évitent de penser à nous-mêmes. Il est donc des divertissements plus apaisants et salutaires que d'autres. C'est en tant que géomètre et mathématicien que Pascal s'intéresse beaucoup à l'un d'entre eux, le jeu. Et au principe qui le détermine essentiellement, le hasard. Au XVIIe, le jeu est partout, donc il était assez normal que Pascal le croise, mais il a été directement sollicité par des joueurs, le chevalier de Méret, sur des questions qui touchaient au jeu. Donc il parle du jeu dans les pensées, mais en tant que mathématicien, en tant que géomètre, il a travaillé sur le jeu, puisque c'est une question concernant la répartition des mises qui conduit Pascal à jeter les fondements du calcul des probabilités. Ce que demande le chevalier de Méret, c'est imaginons que nous interrompions le jeu avant sa conclusion. Par exemple, que le premier joueur a remporté deux manches et le second n'a remporté qu'une seule manche. En imaginant maintenant que les deux joueurs ont placé des mises d'argent initialement au début du jeu, comment ces deux joueurs doivent se séparer leurs mises entre eux en interrompant la partie au moment dit, de façon équitable, c'est-à-dire, comme le dit Pascal, proportionnellement à ce qu'ils sont en droit d'attendre chacun de la fortune. Comme le jeu se joue en un nombre de manches qui est différent selon les différents scénarios de jeu, les chances de ces différents scénarios ne sont pas les mêmes. Et donc, il s'agit d'estimer des probabilités dans une situation où il n'y a pas d'équiprobabilité, où il n'y a pas juste un dénombrement des situations possibles. Alors néanmoins, Pascal va trouver la réponse à ce problème. Il va entrer en correspondance avec Pierre de Fermat, qui est peut-être le prince des mathématiciens du XVIIe siècle. Pascal et Fermat vont chacun donner une solution bien différente du problème des parties, chacune ayant un intérêt et disant quelque chose de très important sur le calcul des probabilités et sur ce que Pascal appelle la géométrie du hasard. Je pense que le nom de géométrie du hasard, en quelque sorte, est presque un slogan en fait pour Pascal. C'est-à-dire que en 1654, au même moment que lors de sa correspondance avec Fermat, il va envoyer une adresse à l'Académie des sciences parisiennes du père Mersenne en expliquant l'avènement, enfin l'écriture d'un traité sur une matière totalement nouvelle qu'il appelle la géométrie du hasard et qui permet en quelque sorte de mesurer le hasard, de le mettre en équation. Et en fait, ce traité ne sortira jamais. Même si le traité du triangle arithmétique, on peut penser, est une ébauche de ce qu'aurait pu être ce traité de géométrie du hasard.
La science de Pascal éclaire l'imprévisibilité du hasard à travers l'exemple du jeu. Mais il est aussi pour lui le miroir des enjeux de notre condition humaine, socialement, politiquement, et dans un domaine plus inattendu, celui du spirituel et du salut de l'homme. Le fragment sans doute le plus célèbre des pensées, nommé Infini Rien, et connu sous le nom du Pari, nous invite à un coup de dé sur l'éternité. Examinons donc ce point et disons, Dieu est ou il n'est pas. Mais de quel côté pencherons-nous? Il se joue un jeu à l'extrémité de cette distance infinie, où il arrivera croix ou pile. Que ferez-vous? Il faut parier. Cela n'est pas volontaire. Vous êtes embarqué. Lequel prendrez-vous donc? Votre raison n'est pas plus blessée en choisissant l'un que l'autre. Mais votre béatitude. Pesons le gain et la perte en prenant croix que Dieu est. Si vous gagnez, vous gagnez tout. Si vous perdez, vous ne perdez rien. Gagez donc qu'il est, sans hésiter. Ce qui fait la puissance du pari, les générations et les générations qui l'ont lu et qui ont tenté de le réfuter n'en ont pas totalement conscience. C'est qu'il y a dans cette métaphore même quelque chose d'absolument bouleversant. La question qui se pose dans le texte de Pascal, c'est « je suis embarqué, vous êtes embarqué, je suis dans un jeu, le jeu, la mise est faite, le pari est déjà fait. Le problème c'est, est-ce que je reste dans ce jeu ou est-ce que je sors de ce jeu ?» Donc le problème est là que pose Pascal. Si vous quittez le jeu, vous obtiendrez quoi de votre départ? Quelle est la petite fraction de votre mise que vous retirerez de votre abandon du jeu? Et là, ben c'est très simple. Ce que vous retirerez en quittant ce jeu, c'est très exactement rien. Donc, est-ce que vous êtes prêt à abandonner toute espérance? Ce qui n'a pas psychologiquement le même sens que voulez-vous parier ou ne voulez-vous pas parier? C'est un texte qui nous met en face de notre propre espérance, en nous demandant si on est prêt à espérer en notre espérance. Alors, ce qui est important aussi, évidemment, dans le pari, et ce qui est très important chez Pascal, c'est qu'il n'y a pas d'accès direct, d'accès précautionneux à Dieu. Ou pour le dire autrement, rien d'important ne peut se faire pour l'homme qui fasse l'économie du risque. Qu'il s'agisse des grandes décisions de sa vie, qu'il s'agisse de décisions amoureuses, qu'il s'agisse de l'acceptation d'un amour dont on n'est pas sûr qu'il vous comblera, on ne le saura jamais si on n'a pas accepté de s'y livrer corps et âme. Et tant qu'on ne s'y est pas livré et qu'on restreint, eh bien, tant qu'on essaye de ne pas risquer, eh bien, on échappe à cet amour et on ne saura jamais s'il aurait fallu risquer ou ne pas risquer. Donc il y a ça aussi dans ce pari de Pascal, c'est l'idée que pour aller à Dieu, on ne fera pas l'économie de ce qu'il appelle ailleurs dans les pensées une forme d'anéantissement, c'est-à-dire une perte de soi, un risque absolu. Et après, évidemment, une remontée, une joie, une rencontre, bien sûr, mais ça, on ne le sait pas au moment où on le fait. Donc le principe de précaution, c'est un étranger total dans le monde spirituel de Pascal. Pour Pascal, le risque de l'espérance est donc la condition sine qua non de la rencontre de tout homme avec Dieu. Pascal va vivre cette rencontre dans les dernières années de son existence. Il la relate dans son mémorial. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nom des philosophes et des savants. Certitude, certitude, sentiment, joie, paix. Dieu de Jésus-Christ, éternellement en joie pour un jour d'exercice sur la terre. Le chrétien fervent qu'est Pascal vit une conversion
une métamorphose spirituelle. Pour lui, c'est par le cœur et par lui seul que l'homme peut connaître Dieu. Le cœur, l'amour ou la charité, que rien ne peut surpasser et qui est au sommet de ces trois ordres qui régissent le monde, selon Pascal. Pascal est très, très, très sensible, admirablement sensible, au fait que le monde humain apparaît de façon très différente à différents types d'hommes, en quelque sorte. C'est ce qu'on appelle, ce que Pascal appelle les trois ordres, n'est-ce pas? Il y a l'ordre de la chair, l'ordre de l'esprit, l'ordre de la charité. Alors, l'ordre de la chair, c'est, dit Pascal, les riches, les grands, les capitaines, ceux qui font la guerre, n'est-ce pas? C'est l'ordre fondé sur la force et la concupiscence, les convoitises humaines. L'ordre de l'esprit, alors c'est l'ordre des mathématiciens, c'est l'ordre d'Archimède, d'après dans l'exemple que donne Pascal, pouvoir de la science, n'est-ce pas? Pouvoir de la mathématique. Et l'ordre de la charité, c'est évidemment l'ordre de Jésus-Christ. Mais alors, ce que ces ordres ont en commun, c'est que si on est dans l'ordre de la chair, on ne voit pas l'ordre de l'esprit, on ne voit pas l'ordre de la charité. Mais si l'on est dans l'ordre de l'esprit, on ne voit que l'éclat de l'ordre de l'esprit, on ne voit même plus l'ordre de la chair, ni l'ordre de la charité. Si l'on est dans l'ordre de la charité, on ne voit ni l'ordre de la chair, ni l'ordre de l'esprit. Et à chaque fois, avec un éclat insurmontable. Alors, évidemment, qu'est-ce qui se passe avec l'ordre de la charité? Parce que précisément, c'est l'ordre qui refuse l'éclat. C'est l'ordre qui est fondé sur l'humilité. Et l'humilité, ce que déteste l'humilité par-dessus tout, c'est la lumière. Comment l'humilité aurait-elle de l'éclat? Or, précisément, c'est cela le mystère de Jésus-Christ. Le mystère de l'apparaître de Jésus-Christ, c'est que son humilité parfaite, la manière parfaitement humble dont l'homme-Dieu s'est présenté aux hommes, lui a donné un éclat qui a conquis le monde d'une certaine façon. Il a persuadé par son avènement de douceur, comme dit Pascal, les âmes bien disposées à l'humilité, ou que Dieu avait bien disposé à l'humilité. Tous les corps ensemble et tous les esprits ensemble et toutes leurs productions ne valent pas le moindre mouvement de charité, écrit Pascal dans les Pensées. Cela est d'un ordre infiniment plus élevé, d'un autre ordre, surnaturel. La foi vive et ardente de Pascal ne freine pas pour autant son activité scientifique, comme en témoigne son traité sur les courbes cycloïdes. Mais elle le rapproche de plus en plus de l'essentiel dans sa rencontre avec le Christ. En 1659, sa santé si fragile se dégrade à travers de violentes névralgies et des douleurs au ventre. Il écrit sa prière pour demander à Dieu le bon usage des maladies. La mort de sa sœur Jacqueline, le 4 octobre 1661, l'affecte au plus profond. Il se sépare de tous ses biens. Il désire que son argent soit donné aux défavorisés. Sa dernière invention est concrète et visionnaire. Il crée les carrosses à 5 sols, les premiers transports publics qu'il souhaite rendre accessibles aux gens plus modestes. Dans les derniers mois de sa vie, Pascal recueille chez lui une famille d'ouvriers, dont l'un des enfants est victime de la petite vérole. Il décide de demeurer chez sa sœur Gilberte, au vu de la situation et de son état de santé, qui se détériore gravement. Son agonie commence à l'été 1662. Exténué, ne dormant plus, il demande en vain à Gilberte de mourir dans la salle des plus pauvres, aux incurables, et d'être enterré dans la fosse commune. Il sombre dans le coma et succombe le 19 août 1662, à 1h du matin,
à l'âge de 39 ans. Quelques heures plus tôt, au moment de recevoir la communion, ses dernières paroles furent « Que Dieu ne m'abandonne jamais ». Il est inhumé dans l'église familière de Gilberte, à Saint-Étienne-du-Mont.